Alors, OTEP, à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Connectez-vous, partagez le live. Partager, inviter les autres. On va discuter pendant quelques minutes. Ou du moins, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va juste prendre quelques minutes. Et je vais vous revenir avec un autre direct sur la politique, l'actualité et autres. Donc, on va aller tout doucement. Pendant que je sirote mon thé. Donc, s'il y a une leçon à retenir, c'est cette première leçon qui s'adresse aux Camerounais. Tous les Camerounais ne sont pas forcément mauvais. Il y a une chose importante à retenir. Ceux qui sont en Europe et qui vendent du rêve à nos frères qui sont au Cameroun, que ce soit les activistes, que ce soit la société civile en général, que ce soit les membres du MRC, que ce soit ceux du RDPC, peu importe. Les Camerounais, d'où qu'ils viennent en Europe et qui ne sont pas capables de vous accueillir tel que vous êtes, de vous regarder tel que vous êtes. Un instant. Bon, ce qu'on va faire, on va faire plus simple. S'ils ne sont pas capables de vous regarder tel que vous êtes, de vous accepter que vous soyez pauvre, que vous soyez illettré, que vous soyez handicapé, je veux rendre hommage à ce frère-là, qui est aujourd'hui pour moi un grand frère. Je ne sais pas s'il sera content que je le fasse publiquement, comme c'est le cas. Mais je tiens à le faire. Je ne vais pas le citer nommément. Mais, on va dire, il s'appelle Mathurin. Et il vit à Montpellier, il se reconnaîtra. Mathurin de Montpellier, c'est un ingénieur financier. Bref, il fait dans tout ce qui est finance, tout ça. Si quelqu'un en Europe n'est pas capable de te regarder droit dans les yeux, t'accepter tel que tu es. Que tu sois bosailleur, que tu sois laveur d'assiettes comme moi, que tu sois agent de sécurité, que tu vendes les livres à la sauvette comme je le fais. Que tu sois SDF. Si ton propre frère camerounais en Europe n'est pas capable de te regarder et dit, viens à moi comme tu es, t'accepter tel que tu es. Se prévaut de tout, se vante de ceci, se vante de cela. Ce n'est pas ce Camerounais-là qui va retourner au Cameroun et aider les Camerounais qui sont pauvres comme toi qu'il a laissé abandonner en Europe ou bien snobé en Europe. Pour un Camerounais qui est capable d'arriver au Cameroun, changer ce Cameroun-là. Pour les Camerounais qui disent non, Paul Biya doit partir, on doit le dégager. Quand nous allons prendre le pouvoir, Nous allons faire le nettoyage. Quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons construire le pays. Quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons changer les Camerounais. Mais si quelqu'un
il dit qu'il peut faire ça et que sur place ici en Europe, il n'est pas déjà capable d'accueillir son propre frère camerounais migrant. Il n'est pas capable d'offrir un repas à un frère camerounais qui est en difficulté. Il n'est pas capable de te regarder comme ça, comme un frère, comme un humain. S'il n'est pas capable, ce n'est pas au Cameroun qu'il le fera. Et donc, ce petit hommage que je rends, cet hommage que je rends à mon frère, à mon grand frère Mathurin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai rencontré d'autres personnes aussi comme lui hein, par la suite. Mais la différence, c'est que lui s'est inscrit avec moi dans un processus. Ce n'est pas du genre, quelqu'un te trouve là, il te dit, bon, je te donne un petit coup de main, et après, bon, ni vu, ni connu, on s'en fout. C'est que il a été avec moi dans certaines étapes. Tu as fait comment? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux trouver une solution? Est-ce que... J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça dans mon parcours. Comme j'avais déjà fait un post ici pour remercier un Marocain qui vit à Melilla, qui m'avait beaucoup soutenu pendant mon parcours d'aventurier. Il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi tu remercies les Marocains? C'est des mauvais, c'est des racistes, c'est des ceci, c'est des cela. Tous les Marocains ne le sont pas. Donc tu ne peux pas te lever et dire que non, tous les Arabes sont méchants parce qu'il y a un Arabe ou deux Arabes ou même 90 Arabes qui t'ont fait du mal. S'il y a ne serait-ce que 10% qui ont été bien avec toi, il faut reconnaître que ces 10% ont été bien avec toi. Les Camerounais ne sont pas forcément tous mauvais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont un cœur grand comme ça. Un cœur grand comme ça. Comme le cœur de Kamto, mon boss. Donc, je parlais de ça déjà ici une fois. Et j'ai eu des petites prises de tête. Ça m'avait d'ailleurs fait marrer à l'époque. Bon, je ne veux pas revenir dessus. Mais je suis obligé de faire le parallèle parce que on me demande qu'est-ce que tu faisais à Montpellier. Je ne serais pas capable de t'expliquer comment je me suis retrouvé à Montpellier. Je me retrouve à Montpellier dans la rue. Je suis dans la rue, je n'ai pas où aller. Parce que je me souviens que j'appelle même le 115 pour demander un endroit pour dormir. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a rien. Donc je viens d'arriver en France, je n'ai même pas fait 8 mois, je viens de Boza, je n'ai même pas encore mes repères, je n'ai même pas encore le passeport, je n'ai encore rien du tout. Salut, Stevie Sam. Donc, je sors d'une ville qu'on appelle Béziers, qui est juste à quelques kilomètres de Montpellier, mais je suis chez un pote, bon, je croyais que c'était mon pote, donc un ami, camarade d'enfance, camarade au lycée et tout ça, qui était à l'époque étudiant, parce qu'on a eu le bac la même année. Lui, il est venu directement en France. Moi, j'ai pris beaucoup plus de temps. Bon, par la nage, comme vous connaissez. Bon, le livre est là. Il ne faut pas qu'il parle beaucoup comme ça pour rien. Après, à la fin, les gens n'achètent même pas le livre. Si quelqu'un veut soutenir, il faut donner quelques euros ici. 15 euros, plus les frais d'envoi, tout ça. Bon, 20 euros pour ceux qui sont en France. Vous allez quand même envoyer. Je mets le PayPal, vous cotisez un peu. Ça veut faire 2-3 livres, me sortez d'une game et un soir comme ça. Je n'aurais pas fait le live pour rien. Je n'ai pas monétisé ma page. Donc, quand je tape ma page de Salam, c'est ici là avec le livre. Donc, celui que je crois être mon ami d'enfance, mon ceci, mon cela, c'était d'abord la même personne qui, vivant déjà en Europe depuis pratiquement 5 ans, 6 ans, connaissait comment fonctionnait le système. Donc, lui, il savait pertinemment que si tu voles le train, on t'arrête. On va te renvoyer en Afrique si tu es sans papier. Si tu vous sautes le métro et les contrôleurs t'arrêtent, pour un métro de 2 euros, il y a des centaines de gens qui ont été rapatriés en Afrique pour un métro, un ticket de métro de 2 euros. Donc quelqu'un qui vit déjà en Europe depuis des années et qui sait que c'est risqué pour moi qui viens d'arriver et qui m'a envoyé dans ce choc-là pas une seule fois, mais au moins deux fois, ça m'a fait à un certain moment, je me suis remis en question. Donc, un ami qui va te dire, « Ah, tu viens d'arriver, tu es à Bordeaux, tu n'as pas où aller. Ah, c'est pas un problème et tout. Ça, c'est un petit problème.
mais je ne peux pas t'aider parce que bon, je n'ai pas de place chez moi. Pourtant, il a toute une grande maison, il vit dedans tout seul. Mais il te dit, si tu veux faire Bordeaux pour Paris, ça, c'est pas un problème. Va là, tu rentres dans le TGV, ça va te laisser à Paris. Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle dedans. Même si tu arrêtes à Accra, ils vont te faire quoi? Est-ce que c'était un piège? Est-ce qu'il me voulait du bien? Voilà la vraie question. Donc finalement, comme je disais, je suis revenu à Paris. Ça, c'est pour faire coup. Hein? Je suis arrivé à Paris et en sauté une autre fois encore. Il me dit, non, retrouve-moi. Je m'en vais à la gare de Bercy, je saute encore le train qui m'amène vers la Bourgogne et tout ça. Toujours sans payer. Parce que je suis parti à l'invitation de quelqu'un qui n'en a rien à foutre si on m'arrête et on me renvoie au Cameroun. Alors que j'ai fait 3 années de long périple pour arriver en Europe. Salut, Metou Kamouafo. Donc, comment j'arrive sur ce frère qui s'appelle Mathurin? Je vais donc chez mon pote à Béziers au bout de quelques jours. Normalement, je suis parti pour une semaine. Mais au bout déjà de 3-4 jours, j'ai commencé à voir des choses qui ne m'intéressaient pas, que je trouvais bizarres. J'ai dit, bon, moi, je rentre chez moi à Paris. Donc, j'ai anticipé et je suis rentré. Il me restait 15 euros. 15 euros devant, derrière. Le gars me porte, il me transporte, il me laisse à la gare, il dit, bon gars, bye bye, on est ensemble. Quelqu'un sait que tu viens d'arriver en Europe, tu n'as pas de travail. Mais j'avais quand même où dormir à Paris, chez mon oncle. Et donc je vais, il me dit, bon gars, vas-y, on est ensemble. Je pars donc de Béziers, je paye les 15 euros, ça me laisse à Montpellier. Donc je me retrouve à Montpellier, et là, 11 devant 11 comme on dit. Je n'ai rien en poche. Mais à Montpellier, maintenant, il faut m'en sortir. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je trouve où dormir. Il faut que je trouve comment m'acheter un billet pour rentrer à Paris. J'appelle le 115. Il ne décroche pas pendant des heures. Et finalement, il décroche. Mais ils me disent, non, on ne peut pas vous trouver une place priorité aux femmes et aux enfants. Étant dans la ville de Montpellier, j'ai mon sac à dos d'aventurier. Je suis là, je monte, je descends. Je peux même me faire contrôler par la police. On peut m'arrêter même facilement. On me demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Parce que quand tu es étranger dans une ville, tu es en train de marcher, tu ne sais pas où partir, tu es là, tu tâtonnes. Je suis sorti de Béziers, le mec n'a jamais appelé pour se demander, mon frère, est-ce que tu es bien arrivé à Paris? Puisque tu n'avais pas d'argent sur toi, tu me disais que tu n'avais pas d'argent, tu as fait comment, tu te retrouves où? Rien du tout comme nouvelle. J'arrive donc dans la ville de Montpellier, comme je t'ai en train de dire, je me débrouille un peu partout, je me renseigne. Où est-ce que je peux trouver les Camerounais à Montpellier? Ça, c'est, j'ai fini avec 115. Hein? Bonsoir, mon frère. Tu vois, si Eugène. J'appelle donc 115, comme je vous disais. Non, il n'y a pas de place et tout. Bon, maintenant, me voilà au carrefour. Mais ça ne m'inquiétait pas tant que ça. Hein, parce qu'un aventurier, j'avais tellement connu ça que moi, tu me prends aujourd'hui, tu me jettes dans n'importe quelle ville. Même au Nebraska, je ne sais pas où. Jette-moi un endroit où il y a la neige. S'il y a des êtres humains là-bas, ça veut dire que moi aussi, je peux vivre. Je peux survivre là-bas. Si les êtres humains le font, c'est que moi, je peux. Donc, tu peux me prendre là, tu me jettes en plein cœur de je ne sais pas quel endroit, à n'importe quelle heure, je ne panique pas. Je savais que j'allais finir par m'en sortir, j'allais trouver une solution. Mais alors, c'est là où moi, je rencontre donc le frère Mathurin. C'est-à-dire que je suis là dans mes balbutiements, je tâtonne, je monte à gauche, à droite, je n'avais même pas de quoi manger. Il dit même pour manger, je n'avais pas de quoi manger. J'ai rencontré une étudiante comme ça, on a sympathisé. Elle m'a ramené chez elle. On a discuté. Elle m'a fait des pâtes et tout. J'ai mangé, on était content. On a bu du jus et tout, on a discuté. On a parlé un peu de l'Afrique, des choses, des expériences ici et tout ça. On a beaucoup discuté. Après, moi, j'ai pris mon truc, je suis parti. Je me renseigne encore à gauche, à droite. Les Camerounais sont de quel côté ici? Je n'ai pas de repère à Montpellier.
J'avais même pas encore un téléphone Android à l'époque. J'avais encore les petits, j'avais un tout petit téléphone comme ça. Et c'est la même période là, comme j'habitais au stade, là où il y a le stade du PSG là. Donc, au Parc des Princes, j'habitais là-bas à l'époque. Et donc, toutes les célébrités du PSG, je les ai rencontrées là-bas à l'époque. Bon, des fois, j'avais envie de prendre même, j'avais même envie de prendre un selfie avec eux, les Zlatan, Samuel Eto'o était passé par là, je l'ai rencontré pour la première fois là-bas. Et tous ces gens-là, toutes ces célébrités, bon, ils n'étaient pas encore Eto'o, ils n'étaient pas encore gros Sardina comme maintenant. Donc, je voulais même, je voyais les célébrités, je voulais même prendre une photo, j'avais pas d'Android. Et donc, je me rends dans un endroit, je trouve une fille qui me dit que, mais si tu veux voir là où il y a les Camerounais, va ici devant. Il y a des épiceries ici, il y a les gars et tout, et tout, et tout. Bon, j'arrive là-bas, il y a un truc, bon, un truc comme un ganda et tout. Les gars sont dedans, ils jouent le Ndjambo, ils tapent les commentaires. Vous connaissez les Camerounais partout, ils sont. Il y a les cartes, il y a le manga, il y a toutes ces choses-là. Ils fument, ils font leur truc. Bon, c'est leur vie. Moi, quand je suis entré, j'ai senti l'ambiance. Ça ressemblait à la même ambiance que j'ai connue en bas. Donc, je n'ai pas quitté le Maroc, tout ça, pour venir en Europe encore me clochardiser avec des gens qui jouent aux cartes, qui jouent le Ndjambo, qui fument leur truc et tout. Moi, je suis arrivé, j'ai regardé. Ce n'était pas mon milieu. Tout de suite, je suis ressorti. Et je commence à tourner devant l'épicerie. C'est non loin de la gare de Montpellier là-bas. Je commence à tourner devant l'épicerie, je tourne. Un cœur me dit non, ne pars pas. Reste là. Et donc, il débarque avec sa femme, je parle de Mathurin. Il venait faire les courses, il voulait acheter un peu du poisson, des petits trucs comme ça, on discute. Je le vois, j'ai dit bonjour au grand frère. Je vais te poser un petit problème. Il me dit, mais il n'y a pas de souci. Attends juste à côté, comme ils sont en train de faire les courses avec ma femme, je viens, on va causer. Simplement comme ça. Il est habillé tout simplement. Il n'est pas prétentieux. Il a sa petite voiture, il a sa petite vie. Mais c'est quelqu'un de simple, d'accessible. Donc, il finit donc les courses. Il est avec sa femme. Sa femme prend les courses. Elle s'avance à la maison. Et il dit, ok, bon, je vais discuter avec eux. Et comment tu fais, comment tu viens d'où? Je lui parle un peu de mon parcours, vite fait. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bon, moi, voilà, je suis bloqué et tout. Est-ce qu'il peut peut-être me soutenir, tout ça? Bon, moi, dans ma tête, c'est qu'il faut que je rentre à Paris. Au moins, là-bas, j'ai mon petit logement. Je vis chez mon oncle. Là-bas, j'ai ma petite sécurité. Je ne veux pas errer comme ça, peut-être me faire choper par la police. Et tous mes 3 ans de sacrifice pour arriver en Beng, ça revient comme ça à zéro parce que j'étais dehors en train d'errer. Non, je veux pas de ça. Il me prend, je monte dans sa voiture, il m'amène parce qu'il fallait aller chercher l'enfant à l'école, ramener à la maison. Il va avec moi, on va à l'école de sa fille, il prend la fille, il va laisser à la maison et tout. Il me présente encore madame et tout, sa petite famille. On ressort, on discute, on discute, on discute. Il est curieux de savoir c'est quoi mon parcours. C'est touchant. Mais pourquoi tu es arrivé là? Pourquoi tu as pris la route? Pourquoi tu as quitté ton pays? Tu faisais quoi au Cameroun? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce chemin? Mais tu sens quelqu'un qui est à l'écoute. Tu sens quelqu'un qui veut comprendre non seulement ton problème, parce que moi je suis un exemple parmi des milliers, mais à travers moi il veut comprendre parce que le problème des migrants est presque le même problème d'un autre qu'un autre migrant. Du moins je vais dire, ils ont les mêmes problèmes pratiquement. On est quitté pourquoi? C'est la pauvreté, c'est la misère, manque d'emploi, toutes ces choses-là. Bon, c'est vrai que parmi les aventuriers, tu as les gars parce que il a volé quelque part, il a fait le Blue Quinta, le quartier le poursuivait, le Don Quata le poursuivait, et il a fui le pays. D'autres parce qu'il a volé le Ben Sikine, il a fui, il a pris la moto, pardon, en condition vente, il a allé, il a vendu, il a pris la route. L'autre c'est qu'il a volé l'argent de la Réunion, l'autre c'est qu'il était trésorier, voilà, de la Réunion il a pris, l'autre c'est qu'on était avec un autre de la garde présidentielle, les gars qui à l'époque avaient 4-5 salaires, ils pouvaient se retrouver avec 2 millions de francs CFA pratiquement tous les mois. C'est les emplois fictifs, voilà. Et le jour où on est en train de le rechercher et tout, le gars vaniche. Donc c'est comme ça.
Vous avez en route des gens qui étaient riches, des gens qui sont pauvres, des anciens avocats. Vous avez des gens parfois qui se retrouvent là. Bon, c'était juste une parenthèse. Et donc, tu vois, il me pose des questions parce qu'il veut comprendre. Et à partir de ce qu'il va pouvoir comprendre, puisque c'est quelqu'un qui est dans un processus même déjà, il a déjà un pied. C'est-à-dire que c'est des gens qui réfléchissent étant en France. Comment retourner au Cameroun? Comment se mettre dans ce processus-là? Comment aider les Camerounais? Mais si tu veux aider les Camerounais du Cameroun et tu n'es pas capable de regarder ton frère Camerounais de France comme toi, c'est que tous ceux qui sont du RDPC, activistes, MRC, tout ça sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des gens qui disent ce qu'ils ne vont pas faire. Salut mon frère Kamel Kodia. Ils racontent des bobas, comme on dit. Parce qu'expliquez-moi comment tu peux être Camerounais parce que tu es ingénieur. Comme il y a un fou sur Internet, il dit qu'il est ingénieur, il insulte tout le monde qui n'est pas ingénieur. Il dit qu'il gagne 15 000 euros. C'est des gens comme ça que si vous prenez, vous mettez à un poste au Cameroun, ils vont détruire le pays. Un malade qui était là il y a 3 ans, il avait 5 000 euros net. Maintenant, il est passé, en 3 ans, il est passé maintenant à 15 000 euros. Je ne sais pas quel ingénieur dans le monde a pu le faire, notamment en France. Je cherche encore les références. Donc, si vous avez des malades pareils, des gens prétentieux, des gens orgueilleux, des gens qui ne sont pas à l'écoute, des gens qui manquent d'humilité, des gens qui ne sont pas capables d'aller au plus profond puiser, savoir exactement c'est quoi le problème. Parce qu'il faut déjà cibler le problème. À partir du moment où on a ciblé le problème, on peut faire un bon diagnostic. Et finalement, trouver une solution. Mais si le diagnostic est raté, parce qu'on ne veut pas écouter l'autre, parce qu'on est ingénieur, parce qu'on est médecin, parce qu'on est avocat, on se dit que non, le petit migrant du coin, on ne peut pas l'écouter. On se dit le petit vendeur de safou à Château-Rouge, on ne va pas l'écouter parce que lui n'est rien dans la vie. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis ceci. Je ne vais pas parler avec Bertie qui lave les assiettes. Voilà notre problème. Si tu n'es pas capable donc de comprendre, de regarder ton frère Camerounais en Europe, aller vers lui, ce n'est pas en rentrant au Cameroun que tu feras des miracles. Tu ne feras rien là-bas parce que tu n'aimes pas les gens, parce que tu n'aimes pas les humains. Ils sont comme ça, ces déchets, ils sont très nombreux. Et ce sont eux qui pullulent là sur la toile, ils font beaucoup de bruit. Mais en réalité, s'il faut maintenant faire un bilan sur la base de ce qu'ils ont déjà fait, sur des faits, ils ne peuvent rien apporter. On vérifie, on va voir qu'ils n'ont rien fait. Salut, Général Cœur de Lion. Salut, Marie-Lise Tuissé, ma future belle-sœur. Donc, je rencontre Mathurin. Donc, voilà un inconnu que je rencontre dans la rue, qui est à mon écoute, mais qui ne me connaît pas. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de Camerounais comme ça. Donc, il y a beaucoup de Camerounais comme ça. Il y a des Camerounais qui sont bien. Tous ne sont pas mauvais. Les Camerounais, il y en a, ils sont bien. Donc, lui, il me ramène après ça. Il me dit, mais tu vas alors manger quoi? J'ai dit, moi, je n'ai pas à manger. Mais si je dors comme ça, ça ne dérange pas parce que je suis habitué. C'est le jour qu'il y a, je mange. Le jour qu'il n'y a pas, je ne vais pas me plaindre. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il faut que je rentre à Paris. Mais je sors de la maison de quelqu'un qui me connaît, qui connaît ma famille, qui est supposé être mon ami d'enfance, qui n'a même plus appelé pour savoir d'où je suis, si je suis arrivé au pays, il ne veut même pas savoir, il s'en fout. Mathurin me dit donc ceci, ok, on va trouver une solution. On va donc, il me dit, j'arrive, t'inquiète pas. Donc, on va donc à l'hôtel, il va prendre une chambre pour moi, il va aller au McDo, il va me dire, bon, je te ramène un truc vite fait. Et quand il arrive, il m'appelle, il me dit, descends, viens chercher. Je viens, je cherche à manger. Je
remonte dans ma chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'il me paye ma nuit d'hôtel. Il me dit, ne dors pas sous le froid. Il paye ma nuit d'hôtel. Il me paye à manger. Mais au-delà même de ça, c'est que il est à l'écoute. Quelqu'un comme ça peut rentrer au Cameroun et aider les Camerounais. Agnès Lenge, Numbise Victorine, arrête tes histoires. Agnès Lenge, c'est ma future belle-mère. Elle-même, elle est là, elle témoigne. C'est, je suis là, oh, c'est le Congo, ça que je fais. Elle est là en direct, elle témoigne elle-même. C'est ma future belle-mère qui est là. Si quelqu'un tente, c'est que c'est directement la personne s'attaque à moi. Partagez le live. Donc, quelqu'un comme ça est capable de rentrer au Cameroun, aller dans les marchés, aller dans les coins les plus reculés, écouter quels sont les besoins des populations. Et si tu ne vas pas au contact de ces populations, tu ne peux pas savoir ce qu'ils ont besoin. Tu ne peux pas savoir quels sont les besoins de ces populations. Si tu parles le gros français, la maille de Ndokoti qui vend là-bas, celle qui est au marché de Ngolemenduka, elle ne te comprend pas. Il faut être à l'écoute. Je pars donc de là, je dors. Il me dit, le matin, moi, je vais à Marseille parce que j'ai mes business là-bas. Notamment, il a son entreprise là-bas. Il démarre, il vient me chercher en bas de l'hôtel. Il me dit, je suis en bas, descends. Je descends, il me transporte. Il m'amène à Marseille. Donc, moi, je découvre, ça me fait voyager aussi. De Montpellier, moi, je vais découvrir la ville de Marseille. De Marseille, on va tourner dans la ville. Il me montre le petit kiosque, le petit cyber et tout ça où il faisait ses jobs en tant qu'étudiant. Quand il faisait ses études, il venait faire ses petits pointages là-bas. Lui aussi, il a vécu au Cameroun. Donc, il n'est pas un fils, c'est pas un enfant de boss, non. Il a vendu les trucs sur la tête, des bananes, des arachides, tout ce que vous pouvez imaginer. Il est allé à gauche, à droite. Il connaît les souffrances, il connaît les difficultés. Il est à l'écoute. On fait le tour de la ville. Il m'amène sur la Canebière. Il va me montrer le stade olympique de Marseille, je crois la rue Prada. Il va m'amener là-bas, il me fait balader, il me montre la ville. Il me dit, bon, c'est ici que je suis arrivé quand j'étais étudiant et tout. J'adore la ville et tout. Il a son entreprise là-bas, il a ses trucs. Salut Philomène de Loulari, la fleur du désert. Il part donc de là avec moi. Après, on va aller manger. On va faire un tour au petit marché, au petit souk. On fait des tours et tout. Et tout ça en discutant. C'est-à-dire qu'il veut me comprendre. À partir de moi, il veut comprendre c'est quoi le problème des migrants. Et il part donc de là. Il m'amène à la gare de Marseille. Bon, je te souhaite bon retour à Paris. Et il va sortir sa carte bleue. Il va m'acheter un billet de TGV. Marseille-Paris, je me souviens très bien, 95 euros. Il touche sa carte, il paye, il me dit rentre à Paris. Arrivé à Paris, allô, est-ce que tu es bien arrivé? Il faut que les Camerounais comprennent que c'est le fondamental. Je prends ça comme exemple. Pourquoi? Parce que il est important que les Camerounais se parlent. Il est important que les Camerounais laissent derrière cette affaire de tribalisme. Il est important que les Camerounais se réconcilient. Il est important que les Camerounais se regardent dans les yeux, qu'ils se parlent. Il est important que le Camerounais apprenne à voir son frère pas comme un ennemi, mais pas vraiment, vraiment comme son frère. Il faut poser ce regard-là fraternel sur l'autre. Il y a des gens qui sont teintés de mépris ici sur la toile seulement parce qu'ils ont des audiences. Il y a des gens teintés de mépris parce qu'ils voient le direct, il y a 500 personnes pour lui. Il est très suivi, il est une star et les autres ne valent rien.
Les gens pleins, des gens pleins d'orgueil, manque d'humilité. Et on est dans le jugement permanent. Donc quelqu'un donc va te faire tout ce qu'il t'a fait alors qu'il ne te connaissait pas. Il t'a rencontré dans la rue, ça faisait juste 24 heures. Il va t'appeler, est-ce que tu es bien arrivé? Celui chez qui tu es sorti, qui est censé te connaître, ça dit que si tu tombes là maintenant, c'est lui qui connaît ta maison, qui va t'amener au village, dit que le voici. Voici là où il est né. C'est lui qui n'a jamais pris de nouvelles. C'est lui qui ne veut même pas savoir d'ailleurs. Et maintenant, lui et moi, on s'installe dans ce qu'on va appeler, on s'inscrit dans ce qu'on va appeler un processus d'accompagnement. Est-ce que tu es bien arrivé? Une fois maintenant que tu es à Paris, c'est quoi la suite? Après ça, bon voilà, j'ai rencontré ma femme. Après ça, voilà, il y a ceci, il y a à gauche peut-être des petits jobs. On essaie toujours de bouger. Comment on fait pour t'accompagner? Ce que je suis en train de faire là, il y a des milliers de Camerounais, même en Europe, qu'on a aidés. Ils ne sont pas capables de reconnaître qu'on les a aidés. Il y a des milliers qui ne sont même pas capables de dire le simple mot merci. J'ai moi-même soutenu beaucoup ici qui aujourd'hui me combattent. J'ai soutenu beaucoup ici que je suis même parti prendre des risques, que je sors même mon chaos, le dis donc go walk avec. Je ne te demande pas 5 francs de pourcentage, rien. 0 francs. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Même le merci, il n'y a pas eu. Après, c'était l'ingratitude et les insultes. Donc, finalement, tu es à quel niveau? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Quand je suis dans le malheur, il est le premier à m'appeler pour dire que ouais, la situation est comme ça. Ouais, on va faire comment? Quand je l'appelle, je dis c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, ah, on va essayer de trouver une solution. Je suis de passage à Paris tel jour. Est-ce que tu es prêt? On va manger un petit bout, on va causer. Donc c'est un grand frère, je peux être en difficulté. Je sais que je vais m'appuyer sur lui, ne serait-ce que pour les conseils. Parce que Dieu merci, j'ai mon petit boulot, j'ai ma petite vie et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui demande. C'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai du mal avec ça. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est une question de valeur, de principe. Je ne sais pas si les gens mesurent à quel point il est important. Je ne vais pas rentrer dans peut-être trop de détails parce que je sais que c'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de lui. Il n'aime pas. C'est quelqu'un qui aime. Il est très discret. Mais il est important de faire ce genre de témoignage pour que tout le monde, du moins que ceux qui m'écoutent, qu'ils sachent que aider, c'est une bonne chose. Accompagner quelqu'un est une bonne chose. Et si on l'a fait pour vous, sachez le reconnaître. Les Camerounais tous ne sont pas mauvais. Il y a des Camerounais encore qui sont bons, qui sont récupérables, comme on dit. Il y en a qui sont même très bons, qui ont été abusés à cause de leur bon cœur, comme on dit. Pour dire ceci, ceux que vous voyez dans le RDPC, ils sont même nombreux d'ailleurs au sein du SDF, au sein du MRC. Ils sont nombreux là même parmi les activistes qui disent qu'ils vont changer le Cameroun. Nous allons changer les Camerounais. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais quand vous regardez des coups qui se lèvent comme ça, ils préparent contre leurs propres frères Camerounais. Tu te demandes comment ceux-là vont rentrer un jour diriger le Cameroun. Ils mentent, ils détournent, ils manipulent, ils concoctent des plans contre l'autre. Ils font tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. Mais ce sont eux qui veulent rentrer changer le Cameroun. Quelqu'un ne peut pas être... Quand moi, à l'époque, moi je vivais dans le 16e arrondissement de Paris, c'est l'une des villes les plus riches du monde. Pas seulement de France ni d'Europe, mais le 16e quand même pour quelqu'un qui vit à Paris. Il sait c'est quoi le 16e arrondissement.
Il y a beaucoup de Camerounais là-bas. C'est là où il y a d'ailleurs l'ambassade du Cameroun. Pour dire que Aïdjo n'était pas quelqu'un qui pensait le Cameroun petit, il pensait le Cameroun grand. Même si d'un autre côté, c'est un gros criminel, je n'ai pas de sympathie pour lui. Mais regardez là où il a logé l'ambassade du Cameroun, en plein cœur du 16e arrondissement. Le mètre carré là-bas est peut-être dans les 43 000 euros. Ce n'est pas donné. C'était dans des grands quartiers. Regardez où se trouve l'ambassade du Cameroun en Angleterre, aux États-Unis. Aïdjo voyait grand. On a eu un médiocre qui est venu, même le peu qu'Aïdjo a laissé, le petit tissu industriel, il a tout détruit. C'est important donc de prendre tous ces détails pour permettre aux uns et aux autres. Donc c'était pour moi ici l'occasion de rendre hommage, n'est-ce pas, à ce grand frère-là qui m'a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu. Et qui continue d'ailleurs de le faire, alors que moi je suis déjà à l'abri de beaucoup de choses. Même si on n'est jamais à l'abri complètement. Mais il ne manque pas de m'orienter. Si j'ai peut-être des trucs, donc ne te trompe pas sur telle chose. Non, attends, patiente, fais plutôt comme ceci, trouvons la bonne solution. Il y a des gens comme ça qui ont aidé. À la fin, ils ont été abusés. Et ça a découragé les autres. Par exemple, moi, ce que je faisais, à un certain moment, pour ceux que je croyais être mes potes, pour qui même j'ai pris des risques jusqu'à sortir le chaos, ou aller donner que travail avec. Je ne te demandais rien. J'ai perdu ma maman ici à Paris, ils étaient de l'autre côté, ils buvaient le vin. Hein. Moi, j'étais au deuil là-bas seul, ils n'ont jamais mis pied. Ils sont nombreux comme ça que j'ai soutenu. On m'appelle seulement, on dit que mais tu es au deuil là-bas, ton ami ici en train de boire le vin. Ce n'était pas ton ami ici, je dis que ah bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont nombreux comme ça. Mais il faut savoir que tous les Camerounais ne sont pas des pourritures. Il y a cette lueur d'espoir là qui me donne, qui me conforte à chaque fois dans l'idée qu'on va pouvoir relever ce pays. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont encore bons, qui sont très bons. Donc moi quand je parlais du 16e arrondissement, c'était pour dire quoi? Ils sont nombreux là-bas, il y a beaucoup de Camerounais qui sont des gars calés, des hauts cadres. Ils sont nombreux là-bas dans le 16e. Même en face dans Boulogne-Billancourt, qui est aussi un quartier UP. Ils sont là. Dès que tu approches vers lui, quand tu l'approches, tu commences à lui parler, il sent ton accent camerounais, il change, il te dit, ah non, non, non. Il fait comme si tu n'es même pas camerounais. Ils évitent les gens. Tu l'abordes, c'est des gens presque inaccessibles. Parce que pour eux, ils vivent dans le 16e, c'est des boss, ils sont cadres, ils sont des hauts cadres parfois. Mais moi, je vois dans des villes ici, tu vois quelqu'un qui est des blancs qui ont beaucoup d'argent. Ils roulent avec des simples voitures, des Citroën et tout, mais qui ont beaucoup d'argent. Ce côté-là, moi, j'apprécie ça beaucoup des Européens. C'est des gens qui ont beaucoup d'humilité. Tu vois parfois un élu du peuple ici, tu vois un député, tu vois un maire, parfois tu vois un industriel devant toi, tu vois un ingénieur, tu vois un médecin, tu te poses la question. Il est là comme toi. Simple. J'ai rencontré une fois qui a travaillé à l'époque en Balmayo. Il a travaillé en Balmayo, il a travaillé à Djoum, il connaissait bien le Cameroun, il était ophtalmologue au Cameroun. Il a formé les ophtalmologues camerounais. Les orthopédistes camerounais, il a formé beaucoup. Je sors à Enghien-les-Bains, on se rencontre dans le truc. Je suis en train de lire un bouquin qui parle du Cameroun. Il regarde le titre, ça l'attire. Il dit que mais le titre du livre, ça parle de quel pays? Du Cameroun et tout. Je dis oui, justement. Il dit que, ah ben oui, le Cameroun, moi j'ai été là-bas et tout. On a beaucoup discuté pendant le truc. Il a sorti sa carte de visite, il me donne. Le CV seulement, c'est la mort. Il connaît parfaitement le Cameroun. Il a travaillé presque partout en Afrique. Mais tu le vois, il est assis là, avec sa femme. Il prend le truc, il va en face. Tu as un Camerounais ici. Dès qu'il vend déjà deux produits sur Facebook, il vend ou c'est les savons ou c'est quoi sur YouTube. Dès qu'il a déjà 10 clients, tu dis bonjour, il ne répond plus. Dès qu'il fait le direct, il y a déjà 1000 personnes. C'est que... Voilà.
C'est pour ça que je dis notre peuple est malade. Il faut des négro-thérapeutes. Nous avons du boulot. Hein? Les gens ne se rendent pas compte, mais nous avons du boulot. Nous avons du boulot. Ça va être compliqué, mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Je ne vais pas refaire un autre après parce que là, je suis épuisé. Mais même si... Bon, je vais prendre 2 minutes juste pour parler de la grande manifestation du 17 septembre à Paris. Soyez tous au rendez-vous. On va se retrouver tous là-bas pour parler des problèmes du Cameroun. On va se retrouver tous là-bas pour parler de nos problèmes. C'est très important. Soyez à ce rendez-vous important. Oui, futur polygame, ça j'adore. Sauf que je ne veux pas être polygame avec les têtes percées des féministes là. Je ne veux pas entendre parler des féministes têtes percées. Les longos, les mamies longos bouche là. Pardon. Les vraies femmes africaines authentiques. Des femmes africaines originales. Qui s'assument. Belles naturellement. Qui ont des valeurs endogènes au continent africain. Qui savent respecter l'homme. Qui ne sont pas dans une logique de confrontation avec l'homme. Qui savent ce que c'est que la complémentarité entre un homme et une femme. Se mettre ensemble, être fort pour aller de l'avant. Et non s'entrechoquer des duels tous les jours. Ces vraies femmes qui font ce qu'on appelle de la bouffe généreuse. Pas nos femmes de France qui font... Nos soeurs de France, je ne sais même pas ici, qui font des pâtes au lardon et te disent, ouais, c'est à la cuisine, bah, va te servir, je suis féministe, bah non, je ne peux pas te servir, t'es arrivé ou quoi, bah non, déjà, je suis fait à manger, sois content. Alors là, ils font des pâtes au lardon, posent sur la table, hey, mais mec, va te servir. C'est quoi ça? C'est quoi ces valeurs-là? C'est quoi ça? Nous, on veut les filles bien éduquées. On ne veut pas des féministes. Je ne veux pas être en compétition avec une femme dans ma maison. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas de compétition. Ceux qui veulent faire des compétitions, ça, c'est leur problème. Bon, je ne veux pas gâcher un beau petit live d'hommage à mon grand frère avec les histoires de féministes. Il ne faut pas me déranger. Elle aime bien, sous mon obicic, elle aime bien me déranger avec ces questions-là sur la polygamie. Allez, j'en ai terminé. C'était votre frère Bertie, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus, vie, force, santé à vous. Otep, c'était votre frère.